quatre vents, nous t'attendons. Souffle Esprit de Dieu, embrase ton. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour les excellentes mamans, les mères dans le royaume que le Seigneur nous a donné. Alléluia. Donc, tendons nos mains vers les mamans. Que les mamans reçoivent seulement Amen. Au Père, merci pour ces mères merveilleuses que tu as données au Seigneur Mia, à l'église locale. Elle prie de ta gloire. Elle prie de ta lumière. Elle prie de ta vie. Elle prie de ta sagesse. Elle prie de ton onction. Elle prie de ta puissance. Elle prie de la plénitude du Saint-Esprit. Au Seigneur, merci parce que tu les combles toujours. Tu les rassasies de longues vies. Comble, Seigneur, dans leur propre vie, dans leur foyer, dans leur famille, dans leurs activités. Seigneur, elles sont des mères vertueuses. Elles sont des mères vertueuses, des mères remplies de sagesse. Nous te disons merci. Que le précieux sang de Jésus-Christ continue de les garder pour nous. Continue de leur donner la victoire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, sous vos acclamations, nous allons recevoir l'excellente évangéliste, Mama Chevalier. Mama Chevalier. Je crois que chacun de nous a été béni hier soir. Et hier matin. Donc soyez bénis au nom de Jésus. Sous vos acclamations, nous recevons la maman. Merci d'être venu. Elle est la responsable du groupe Invasion Sœur Sophia. Nous avons coordonné ce groupe dans le Tiawaga. Et depuis mon arrivée au Bénin, c'est elle qui est la responsable avec l'évangéliste Kéréli qui est présentement à l'église de Pau. Donc soyez bénis, que le Seigneur continue de vous combler. Gloire à Dieu. À mon tour, je souhaite. Saluer ce matin et la grâce toute suffisante du Père pour continuer de sécuriser vos vies. La bonté d'amour que vous donnez d'aller de l'avant parce que le Seigneur compte sur vous. Le Seigneur compte sur nous. Alléluia. Amen. 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 Nous allons prier. Tendre Père, nous te sommes reconnaissants. Te bénissons ce matin parce que tu es le Dieu de grâce. Tu nous as fait grâce d'être femme. Tu nous as fait grâce d'être mère. Et ce matin, nous te reconnaissons comme celui qui a été le premier à reconnaître le droit des femmes. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que Seigneur, c'est toi qui as créé la femme et tu as confiance à la femme. Seigneur,
Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Et nous nous rappelons que tu es ressuscité le premier jour de la semaine. Et quand tu es sorti de ton mot, tu as rencontré des femmes. Alléluia. Et tu les as envoyées. Tu as dit d'aller dire à tes frères que tu vas les rencontrer. Et Seigneur, tu les as rencontrées au lieu indiqué. Et tu as envoyé ces femmes aller annoncer la bonne nouvelle. Ta résurrection. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous reconnaissons. Quand tu as créé Adam, tu as pris la terre et tu l'as créée. Tu l'as formée. Et Seigneur, tu as soufflé en lui. Mais toi-même, pour descendre, délivrer toute l'humanité, tu as eu besoin des entrailles d'une femme. Oh Seigneur, tu as connu les entrailles d'une femme. Tu as été gardé dans les entrailles d'une femme pendant 9 mois. Toi, tu comprends la femme. Et Seigneur, quelle grâce. Et ce matin, nous sommes là. Et nous te présentons encore nos entrailles. Nous te présentons nos entrailles. Tu as besoin et que nous allons encore de l'avant. Et Seigneur, nous attendons à toi. Que tu te glorifies dans la vie des femmes. Sois béni, Père, parce que les femmes ont besoin encore de toi pour aller de l'avant. Et toute la louange te revienne. Dans la vie de toutes les mères, les mères potentielles qui sont les jeunes filles, les mères potentielles qui sont les bébés, les mères potentielles qui sont dans les seins actuellement. Oh Seigneur, c'est toi qui continues de visiter la mère pour qu'elles soient formées entièrement. Que toute la gloire te revienne. Dans le précieux nom du Seigneur Père, nous avons prié. Amen. 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 Nous rendons grâce à Dieu. J'ai vu que le thème de cette journée, c'est le rôle d'une mère dans la croissance de l'église locale. Est-ce que les sœurs sont en Womantan? Le rôle d'une mère dans la croissance de l'église locale. Je vous salue dans le nom de Jésus, ceux qui sont à l'étage. Que le Seigneur continue de sécuriser vos vies. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Dieu compte sur les femmes. C'est vrai qu'il compte sur les hommes. Il compte sur les pasteurs. Mais Dieu compte sur la femme. Alléluia. Alléluia. Amen. Et je vois que le verset qui a été donné, c'est Juges 5, verset 2 à 3. Juste à temps, on parle de Déborah. Alléluia. Amen. Quand ça n'allait pas en Israël, quand tous les hommes étaient découragés, quand même l'armée fuyait, c'est une femme qui s'est levée. Elle s'est levée. Et puis elle a dit, je me lève comme une mère en Israël. Alléluia. Dieu compte sur toi et moi. Il ne faut pas regarder à tes faiblesses. Dieu compte sur toi et moi. Je n'ai pas entendu quelque chose. J'ai dit, Dieu compte sur toi et moi. Tu n'es pas ici par hasard. Est-ce que nous sommes sur la terre par hasard? Nous sommes le pilier de la famille. Dieu a dit qu'il a fait de toutes les nations. Il dit que toutes les familles de la terre sont bénies. Lui, il est le créateur de toutes les familles de la terre. Ta famille tire son nom de Dieu. Quelque chose que les gens vont dire. Même si les gens disent que ta famille là est une famille. La Bible dit dans Éphésiens. Bible dans Éphésiens, c'est maman. Toutes les familles. Donc, rien ne l'abîme. De la terre. Dire leur nom de lui. Yiko étant Dieu est l'origine de toutes les femmes. Et ouais, il donne nous et nous l'abîme. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit le regard des gens sur ta famille, Dieu est à l'origine de ta famille. Toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. C'est lui qui a dit, c'est pas moi qui dis. Alléluia. C'est Dieu qui dit ça. C'est pourquoi Paul a dit que lui fléchit le genou devant le Père de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. Je n'ai pas né par hasard, je ne suis pas né par hasard. Je n'ai pas tombé du ciel, je ne suis pas tombé du ciel. Dieu a un plan merveilleux pour toi quand il t'a créé. Un plan merveilleux. Et tu dois accomplir ce plan sur la terre avant de partir. Tu ne vas pas aller et puis Dieu va dire, mais qui t'a appelé? Tu n'as pas fini. Il faut dire à ton voisin, je terminerai avant de partir. Je vais rentrer dans le plan parfait de Dieu avant de partir. Je ne quitterai pas la terre du Bénin sans accomplir le plan merveilleux que Dieu a pour moi. J'ai été enseigné ce mois. Et tout à l'heure, le pasteur l'a rappelé. C'est ce que je permets. Que Dieu va permettre. J'ai aimé cette version de la parole vivante. C'est que tu vas permettre sur la terre. C'est Matthieu 28 là. Matthieu, c'est ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sera délié dans les cieux. Et la parole vivante dit ce que tu permets sur la terre ou ce que tu interdis sur la terre sera sanctionné par l'autorité. C'est la vérité. Si j'ouvre une porte, c'est pas Dieu qui va venir fermer la porte. Mais moi de la fermer. Si j'ouvre une porte pour que l'ennemi agisse, Dieu est là. Tu vas dire, oh Dieu, oh Seigneur, tu vois, ça va pas. Dieu dit, mais il y a une porte ouverte. C'est pas moi qui l'ai ouverte. C'est toi qui l'as ouverte. Et tu dois la fermer. Donc, ce qu'il a dit, c'est une vérité capitale. Ce que tu permets sur la terre, c'est ça que Dieu fait. Ce que tu interdis aussi, c'est sanctionné par l'autorité. Donc, nous devons faire très attention à notre marche, à notre vie. Nous avons été enseignés ce mois sur les ruses du diable. Les ruses du diable. Et Dieu nous a montré comment bloquer le diable. Mais tu ne peux pas bloquer le diable si il y a une porte qui est ouverte. Il faut d'abord fermer la porte à la répandance. Et maintenant dire au diable, oh, dans cette affaire, tu m'as eu. Mais maintenant, écoute, il est écrit comme ton Seigneur l'a fait. J'ai rappelé ça hier ici. Jésus n'a pas discuté avec Satan. Jésus a n'a pas dit à Satan, est-ce que tu n'es pas au courant que je suis fils de Dieu? Tu ne pourras pas dire à Satan, tu ne sais pas que je suis enfant de Dieu, je suis chrétien. Il sait, c'est pourquoi il est venu. Parce que sa cible, c'est toi et moi. Il n'a pas une cible que les enfants de Dieu. Les autres la sont déjà avec lui. Aujourd'hui, il enlève ce qu'il veut, il leur donne. Il les maltraite avec la maladie. Il fait ce qu'il veut. Mais celui qu'il veut ramener la c'est toi et moi. Mais bah elle est dans les yeux à côté. Parce que tu as échappé. Et sa cible, c'est toi. Le bon, mais bah elle est quand tu viens. Bon, la seule chose dont il a peur. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La parole de Dieu. C'est l'arme la plus puissante. Et il y a un lien nous a donné. Et nous avons étudié ça ce mois. Le bon, mais prends le soin l'homme. La ceinture de la vérité. Et il y a un lien nous a donné. C'est la parole de Dieu. Oh, tout est basé. Vous avez vu comment le papa a pris vraiment l'image d'un militaire. Bon, mimode, maman, papa tout l'armement du militaire attaché à sa ceinture. Il a tout. À sa ceinture. Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu les militaires. Militaires. Et nous avons les armes les plus puissantes. Nous avons les armes les plus puissantes. C'est pourquoi le diable
fait ça. C'est pourquoi il t'éloigne, il essaie de nous éloigner de la parole. Est-ce que on se rend compte de ça? Quand tu veux prier, tu te laisses prier. La prière est bien. Mais la prière basée sur la parole de Dieu, c'est ça que Dieu est de fond. C'est à cette prière. Seigneur, tu as dit. Tu as dit. Adore. Et puis tu cites ce qu'il a dit. Bon, Dieu dit qu'il est tenu par sa parole. Ma il n'est pas tenu par autre chose. Mais si tu ne t'appuies pas sur la parole, et tu dis, Seigneur, ma tu vois que je souffre. Seigneur, tu vois ici. Tu vois par là. Ça ne va pas. Ici, ça ne va pas. Mais par rapport à ça, je t'ai dit quoi? Par rapport à ce qui ne va pas. Moi, Dieu, je t'ai dit quoi? Quand tu sors, tu tournes, tu dis, Seigneur, tu as dit ici, adolé. Voilà, voilà. Et tu cites ce qu'il a dit. Il est Dieu. Il ne va pas se renier. Il est tenu par sa parole. Votre pasteur qui est là. S'il vous invite au culte, dimanche prochain, nous allons faire le culte à tel hôtel. Vous allez dire pourquoi, pasteur? Et puis il va dire, parce que Dieu m'a dit d'aller là-bas. J'ai reçu de Dieu ça, on va aller ici. Et vous vous pointez à cet endroit, vous ne trouvez pas le pasteur. Vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis le pasteur dit, non, j'ai pensé que c'était mieux d'être là. Bon, dit, ah, non, c'est toi qui nous a dit que Dieu t'a dit. Et nous sommes partis là-bas. On ne t'a pas trouvé. Pourquoi? Il est tenu à la parole qu'il a dit. Donc, là où vous a invité. Parole. Et Dieu créateur. Parce qu'il faut qu'on prenne Dieu au sérieux. L'ennemi cherche à nous détacher de la parole. Nous éloigner. C'est pourquoi je vais revenir sur Josué 1:8. Il dit même cette parole. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu dois méditer, tu dois regarder et confesser. C'est ce que nous avons fait ce matin. C'est ce que Dieu nous a dit tout au long de mois de mai. Nous avons confessé ça. Et la connaissance de la vérité là, c'est ça qui va nous libérer. Et c'est ça qui nous transforme. Et c'est ça qui nous donne d'aller de l'avant. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous allons tous ouvrir la parole à Philippiens 4. Alléluia. Amen. Nous allons regarder ce que la vérité nous dit. La parole de Dieu est la vérité. Il n'y a rien de libre dans ça. Comme on dit chez nous, ce que Dieu dit, il accomplit. Si nous croyons et nous restons fermes. Nous avons vu tout au long du mois de mai. Nous avons vu le dimanche passé Philippiens 4, 8. La parole de Dieu nous dit là-bas, au reste frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris de moi, reçu et appris de moi, ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Dans la parole vivante, c'est très explicite. Est-ce que maman missionnaire peut prendre la Bible dans ma main? Dans mon sac, la parole vivante, et tu lis à haute voix. La parole vivante est dans mon sac. Philippiens 4, donnez-lui le micro. J'ai perdu la page. Parole vivante, Philippiens 4, verset 8. Enfin, mes frères, que tout ce qu'il y a de vrai, de noble, d'honorable, ce qui a une réelle valeur, et qui est juste, pur et digne d'être aimé, occupe vos pensées. Tendez vers tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite la louange. Verset 9. Bref,
Ce que vous avez appris et reçu de moi, mettez-le en pratique. Façonnez votre conduite d'après ce que vous m'avez entendu dire et vu faire. Alors, le Dieu qui donne la paix serait avec vous. Amen. 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 Ce qui est honorable. Chère mère, chère sœur, chère fille, la parole de Dieu dit que ce qui est honorable, si toi et moi ne sommes pas dans la vérité, nous sommes dans le mensonge. Le mensonge, là, ce n'est pas ce que tu dis là. Si tu n'es pas éclairé par la parole, tu es dans le mensonge. Si la parole n'a pas son effet dans ta vie, tu es dans le mensonge. Est-ce que je me fais comprendre? Mais en tant que mère, femme vertueuse, femme de destinée, notre aspiration est d'être dans la parole. Nous avons parlé du combat ce mois. Le combat là, c'est tous les jours. Quand tu te réveilles, il est devant ta porte. Je dirais même, il est au bas de ton lit. Avant que tu poses les pieds là, il a commencé à envoyer les pensées dans ta pensée. Et sans te rendre compte, tu vas commencer à parler autrement. Le combat là, c'est tous les jours. Et Dieu n'est pas à la source de nos problèmes. Parce que Dieu ne donne pas le malheur aux gens. Tout le monde, sans exception, même les sorciers l'appellent bon Dieu. Ils disent bon Dieu. Alors qu'ils font des choses qui sont contraires à la volonté du bon Dieu. Mais tout le monde l'appelle bon Dieu. C'est ce qui veut dire qu'il n'y a pas de mauvais Donc, toi et moi, maman, future maman, oh, maman, de na, une femme victorieuse. J'ai vu les pochettes de l'année dernière où la maman marche victorieuse, intercesseuse, sage, pour arriver à la dernière marche. La parole. Toi et moi, nous ne pouvons pas dire à Dieu que nous ne savons pas lire. C'est pas possible. Nos parents nous ont envoyés à l'école. Comme les petits ont chanté, ils ont remercié les mamans. Elles font tout pour eux, pour qu'ils réussissent, pour qu'ils aillent de l'avant, pour qu'ils puissent apprendre. Nous avons appris. Nous lisons d'autres livres. Nous lisons les documents. Nous lisons les revues. Mais quand c'est la parole de Dieu, le sommeil est là. On va se réveiller un peu. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas que tu découvres ce que la parole de Dieu dit de toi. Il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est la parole de vérité. C'est ça que nous devons prendre et nous devons continuer à courir. Alléluia. Amen. L'autre jour, papa nous rappelait quelque chose. Il y a une sœur qui a quitté le culte. Et puis, derrière, papa, il faut prier pour moi. Papa dit, ma sœur, ma fille, on a déjà prié à l'église. Oh, vite, tu sais pas que je suis fatiguée. Pasteur aussi se fatigue. Elle a dit ça à papa. Pasteur aussi se fatigue. Papa a dit au revoir. Papa est d'abord. Vous voyez, ça c'est l'ennemi qui laisse. Toi, on quitte une prière. Le papa avec son âge est en train de partir. Tu cours. Papa, faut prier. Papa dit, on a prié. Tu n'as pas reçu. Papa, tu sais que je dois rentrer. Je suis fatigué. Ah, ma soeur aussi se fatigue. Ah, le bon temps, notre chicorne est de soi. Ma soeur se fatigue.
Parce qu'il est un être humain comme nous. Et c'est à nous de l'aider. Pour qu'il puisse aller de l'œuvre. C'est à nous de le soutenir dans la prière. À nous de lui d'amener la joie dans son cœur. En étant accroché à la parole. Quand il te dit de prier, quand tu pries, c'est « Ah, mon fils là, ma fille là est dans la parole. » Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne nous accrochons pas à la parole et nous nous accrochons au pasteur, le pasteur aussi est lié par ça. Il est tenu d'aller là pour venir nous parler. Chère maman, nous avons été les premières évangélistes, celles qui nous ont dévancées. Les maris de Magdala. Regardez une femme. On dit qu'on a la délivrée de 7 démons. Quand Jésus l'a rencontrée, il a transformé sa vie. Laissons-nous rencontrer par la parole de Dieu pour transformer. Le papa nous a dit la vérité là. Papa elle transforme et elle libère. Et non, quand tu la découvres, elle est obligée de transformer si tu acceptes. Parce que Dieu voit en toi ce qui ne va pas. Et cette parole va te transformer. Je disais que tant que la vérité n'est pas connue, là, nous sommes toujours dans l'ignorance. Et cette ceinture de vérité, là, doit être vraiment chaque jour, à Zangbe. Quand nous nous levons, nous remercions Dieu. Je ne suis pas en train de faire le procès de quelqu'un, c'est des conseils. Nous remercions Dieu. Et nous commençons à faire le louer, l'adorer. Je m'assois, je dois prendre la parole. Saint-Esprit, et je dois recevoir quelque chose avec laquelle je sors. Si l'ennemi t'attend à la porte ou en ville, tu prends la parole que tu as reçue. Alors, zéro lié à Dieu, sans tromper. Alors, pas ma voix. Fiel à Simon Miulia. Tu ne vas pas ma voix. À Simon Miulia. Et en tant que femme de destinée, en tant que mère, nous qui avons eu le privilège d'annoncer être les premières évangélistes, nous devons être des femmes de parole. Et pour être sages, comme nous avons proclamé pour les femmes de destinée d'ici, la sagesse là, c'est l'élément capital de ma vie. Quand je ne suis pas sage, les gens ne vont pas m'honorer. Philippiens 4, que ce qui est vrai, ce qui est pur, ce qui est honorable. Si nous ne laissons pas la sagesse de Dieu transformer nos vies, la sagesse là c'est ce qui est équitable, ce qui est principal. Salomon a dit dans Proverbes, Proverbe 4, il dit acquiert la sagesse. Ce n'est pas acheter la sagesse. On ne peut pas l'acheter. Ça veut dire que la sagesse est la principale chose que je dois chercher. Et Jacques 1:5 dit celui qui manque de sagesse qu'il demande. On dit la femme sage bâtit l'église. La femme sage bâtit sa maison. Quel le rôle que nous devons jouer dans l'église locale pour impacter. C'est avec la sagesse. La sagesse, là, nous la trouverons dans la parole de Dieu. Nous présentons la situation et nous demandons la sagesse. Nous avons vu Salomon a eu la sagesse. Salomon, en son temps, Dieu dit que c'est la sagesse qu'il a eue là. Aucun de son temps, personne n'a eu cette sagesse. Sauf Jésus-Christ. Et nous, les chrétiens, nous avons la sagesse. Toute la plénitude. Salomon a opéré avec cette sagesse. Dès qu'il a reçu la sagesse, le lendemain, deux femmes se sont présentées. On a un bébé à partager entre nous deux. Oh, il y a vu le côté là, mais où est la Djimijama? Les gens étaient là. Mais là, au final, elle dit, elle là, c'est son bébé qui est mort. Il a fait appel à la sagesse. Dans cette situation, que je dois faire? Et le Seigneur lui a dit, dis-leur d'amener le bébé. Prends une épée. Dis que tu vas trancher le bébé en deux. Et tu vas donner un morceau. Est-ce que le morceau de bébé, c'est bébé?
Oh, everywhere. La sagesse a agi tout de suite. Et la vraie mère. Non, dès le soir. Ses entrailles ont commencé à. Et elle a dit. Mais alors, il faut lui donner le bébé. Mais je préfère voir mon bébé vivant. Et que de le voir mort. Ses entrailles ont réagi. Les entrailles de mère. Et nous sommes des mères. Nous devons laisser le Seigneur travailler dans nos entrailles. Nous sommes des mères. Des futures mères. Le Père, en voulant descendre sur la terre, en voulant venir sur la terre, le deuxième Adam qui est venu, vaincre Satan pour toi et moi, il a eu besoin des entrailles d'une femme. Il a eu besoin des entrailles d'une mère. Il a eu besoin des entrailles d'une femme. Et ces entrailles-là l'ont couvé pendant 9 mois. Jésus connaît. Jésus les douleurs qu'une femme peut avoir dans ses entrailles. Quand il y a des sœurs, quand quelque chose les surprend, quand un événement fort, tout de suite, la période arrive. Ça veut dire que tout, Jésus connaît. Jésus, parce qu'il a vécu dans les entrailles d'une mère. Jésus connaît. Jésus, une femme qui intercède de tout son être. Si ta prière vient des entrailles, tu es compatissant. Tu cries. Jésus ne peut pas rester insensible. Jésus est si gommant d'autodénier. Il est resté dans les entrailles. Quand sa mère avait des situations, le médecin dit que c'est quand une femme a des problèmes, le bébé ressent. Oui, non. Le bébé ressent. Quand une femme pleure, le bébé dedans là. C'est pourquoi on dit aux hommes de bien traiter les femmes quand elles sont en grossesse. Quand les femmes sont là, poussées des soupirs, à pleurer, que tu veux ou pas, quand l'enfant naît là, il va être un enfant qui pleure beaucoup. Parce que de l'intérieur, sa mère lui a communiqué ça. Ce qui est positif, l'enfant sort avec. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que mes frères d'en haut m'entendent? Non, visons de la galère qui sont à non, de la galère qui est à. Je n'ai pas entendu. Nous c'est que mis amen. Que le Seigneur vous fortifie. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis là. Nos filles, qu'on s'exhorte à quitter nos zones de confort. J'ai vu sur votre les pochettes là. On m'a donné ça hier. Sage, femme sage. Comment nous pouvons acquérir cette sagesse? La sagesse là est en nous déjà. Puisque Christ en nous. Christ Jésus-Christ en nous. Et l'Esprit de Dieu. Nous sommes son temple. La plénitude de tout ce que Jésus est là. Quand est flan, Jésus Dieu, nous, Colossiens 1 nous le dit, et Colossiens 2, Colossiens 9, Colossiens 2, 10 le dit, tout est à nous. C'est à toi et moi. Parce que Dieu compte sur nous. Donc, Jésus a commencé à travailler avec les femmes. Je ne suis pas là pour minimiser les hommes. Mais regarde, tournez-vous, regardez là, l'église là. Il y a combien de femmes? Mes frères, je suis papa. Yes, ou quoi? Je ne suis pas là pour minimiser les hommes. Je suis là pour consoler. Parce que les femmes doivent impacter. Le Proverbe 14 dit que la femme sage bâtit sa maison, bâtit l'église. Mais comment nous allons impacter sans la sagesse de Dieu? Le Proverbe 11, 30 dit celui qui gagne les âmes est regardez la sagesse de Dieu. La parole vérité, la vérité dit la Dieu, devant Dieu là, quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui gagne les âmes. Ce n'est pas la sagesse dans ta conduite de tous les jours. Hein. Tu es là. C'est gentil. J'ai lu là.
la sagesse. Que si tu fais rentrer les âmes dans mais son royaume. Parce qu'il est venu pour ça. Et nous avons été les premiers à qui Dieu a donné le message. Allez dire à mes frères que je suis ressuscité. Parce qu'ils ont eu peur. Donc, parce que leur maître a été crucifié. Et ils se disaient, qu'est-ce qu'on va devenir? Ils sont partis s'enfermer dans la chambre haute et puis prier. Mais les femmes ont eu le courage. Dieu nous a doté d'un courage. Alléluia. Amen. Tu as doté d'un courage. Là où les gens ne peuvent, veulent pas aller, toi tu vas aller. Un courage pour le mal. Tu peux prendre ce courage-là pour faire le mal comme tu prends ce courage pour faire du bien. Regardez, chez nous, on a arrêté des femmes. Ce jour-là, j'ai regardé la vidéo, j'ai dit, mais dis donc, des jeunes filles qui font des sacs comme si elles voyagent. Dans ces sacs-là, vous savez, il y a quoi? Ils ont des sachets d'essence pour aller ravitailler les djihadistes. Des sacs de voyage. Quand c'est fermé, c'est comme un sac. Dedans, il y a des sacs, des sachets où elles ont mis l'essence. Et puis elles ont fermé. Quand on a touché, on a pris ça. C'était des sachets d'essence. Vous voyez le courage qu'elles ont. Elles ont pris ce courage-là pour aller faire le mal. Simplement parce qu'on va leur donner de l'argent. Et tout le monde veut utiliser la femme. Tout le monde. Pour les basses besognes. Dieu ne nous a pas délivrés pour ça. Faut dire à ta soeur, Dieu ne nous a pas délivrés pour ça. Dieu ne nous a pas délivrés pour ça. Dieu nous a délivrés pour porter la bonne nouvelle. Il a dit de demander les nations pour héritage. Et il va nous donner. Femmes, levons-nous et demandons nos villages. Demandons nos familles. Pour que Dieu touche nos familles. Je vous ai raconté le témoignage ici. Hier, quand je me suis donné au Seigneur, ceux qui m'ont combattu, c'était les gens proches de moi. Mais de l'humour. Dieu a permis qu'ils reçoivent Christ avec moi. Tous. Ils viennent et disent, ah, vraiment, nous on voit qu'il n'y a rien à faire. Il faut Dieu. Vous avez dit que j'étais dans une secte. Mais Dieu est un Dieu bon. C'est vrai. Peut-être que tu es converti. Tu es en Christ là. Tu as des persécutions dans ta famille. Ma soeur, lève-toi. Lève-toi. Ça, c'est des vitamines qu'on est en train de te donner. Les vitamines spirituelles. Parce que la Bible nous dit dans Romains 8 là, nous sommes plus que vainqueurs. Que va nous faire les hommes? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Personne. Si Dieu est pour moi, qui va être contre moi? Personne. Et comme nous sommes la couverture de dos de nos maris, ça ne va pas s'asseoir. Dans ma profession, nous avons soumissionné à un marché. Il y a quelqu'un qui est qui travaille à la banque. Bon, la banque qui finance le projet. Il a voulu placer son parent. Bon, et pas bon zé, nous, on a été déclaré moins de 10 ans. Bon, on a lu le marché. C'est des milliards. À quoi l'IVA? Et ils ont dit non. Il faut que ça soit ce monsieur-là. Alors que ce monsieur-là habite dans un pays. Je ne vais pas citer le nom. Il n'a jamais même creusé un puits perdu au Burkina. Et nous sommes dans l'addiction depuis 1998. On a mis l'eau dans plus de 480 villes au Burkina. Lui n'a jamais fait un puits perdu. Et on veut prendre un marché de ce montant-là, lui donner. On a commencé à aller en justice. On a attaqué. Ils ont fait appel.
nous a donné, ils ont attaqué. On est parti jusqu'à la cour de cassation. Et j'ai dit, bondo. Dieu dit, Maudo. Qu'est-ce que ma main touche? Et on nous a remis le marché. On nous a pris le marché. On a enregistré le marché. On a payé les impôts. Et on vient retirer le marché de ma main. Tu n'es pas encore né. C'est quoi? Et Dieu a dit ce que ma main touche. J'ai dit à l'équipe là. Ne vous en faites pas. Et on est allé maintenant chez le maître d'œuvre pour discuter. Ils étaient neuf. Nous étions deux, mon mari et moi. On s'est accordé prier. Nous sommes partis. Avant de partir, j'ai prié et j'ai entendu la parole. Qui es-tu? Grande montagne devant Zorobabel. Tu seras aplani. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai compris que la grande montagne là, c'était la banque qui finançait. Zorobabel était le serviteur de Dieu. Zorobabel, moi, je suis la servante du Seigneur. Mon mari, c'est le Seigneur. Nous intervenons pour nous faisons beaucoup de choses pour le royaume de Dieu. Qui es-tu? J'ai dit à mon mari, allons, allez. Ils sont assis, juriste de quoi? Juriste de ici, juriste de tel ministère, juriste de là, parlez seulement dans mon cœur. J'ai dit, nous avec Jésus ici. Nous sommes des juristes. Et ils nous ont mis de côté. Et eux, ils ont fait une ronde comme ça. Et nous, on était de côté. Mon mari a demandé la parole. Il a commencé à parler. Et puis j'ai vu qu'il a commencé à s'énerver. Humainement, avec raison. J'ai tétiné son pied sur la table. Et quand il a fini de parler, ils ont dit, il faut dire combien vous avez mis dans le marché. Nous, on va vous rembourser. Vous avez enregistré tout. Mon mari dit non. Quand je tends la main droite pour prendre l'argent chez l'État. C'est que de ma main gauche, j'ai remis un ouvrage. Mais comme je n'ai pas fait d'ouvrage, laisser l'argent là, ce n'est pas un problème. J'ai eu des marchés où je n'ai pas gagné. Donc je n'ai pas demandé à quelqu'un de me rembourser. Il dit non, mais c'est beaucoup d'argent. Mon mari dit non, c'est bon. Puisqu'ils ont dit que la banque qui finance a dit que si nous exécutons ce marché, ils avaient 225 milliards d'investissements au Burkina qui vont suspendre. J'ai demandé la parole. J'ai dit, est-ce que je peux parler? Le directeur de l'institut qui nous avait donné ma parole a dit, vous pouvez parler. Et j'ai dit, bon, je voudrais demander au DIRCAM, au directeur du cabinet du ministre, qu'il dise au ministre que nous sommes Burkinabés. Nous ne voulons pas que le Burkina perde des 225 milliards d'investissements. Nous sommes enfants de Dieu. Ce que je sais, si ce marché-là nous est destiné, on va l'exécuter. Ils m'ont regardé comme ça. Et puis mon mari a dit, nous avons fini. Ils ont dit, vous pouvez vous retirer. On est sorti, on est parti. Après, je suis parti en France. Parce que ma belle-fille devait accoucher, je l'ai accompagnée. Quand j'étais en France, le responsable du département où m'appelle. Il dit, madame, non, d'abord mon mari m'a appelé. Il dit que le ministre lui a dit de venir. J'ai dit, il veut quoi? Il dit de venir urgemment. On s'est accordé, il est parti. Il demande à mon mari, est-ce que vous pouvez reprendre le marché? Est-ce que vous pouvez reprendre le marché? Mon mari dit oui. Est-ce que vous pouvez respecter le délai? On avait déjà perdu 5 mois.
parce que le monsieur qui a, à qui ils ont donné le marché a dit que lui ne peut pas exécuter. Il faut réévaluer le marché d'un montant d'un milliard en plus. Et maintenant le bailleur a dit c'est le bénéficiaire qui doit trouver le milliard là pour ajouter. Et comme ils n'ont pas le milliard pour ajouter, ils sont revenus vers nous. Alléluia. Amen. Ce que Dieu a décidé pour ta personne ne peut ce que Dieu a décidé pour nous là. Personne ne peut l'abuser. Il ne faut pas qu'on se minimise. Et l'enfant de Dieu n'est pas n'importe qui. Il va trouver Dieu en face. Le responsable là m'appelle très tôt. Il dit, madame, on nous a rappelé de venir prendre le match. Je vous ai dit non. Notre main a touché. Quelqu'un va prendre pour faire quoi? On t'attribue un marché. Tu vas enregistrer. Tu payes les impôts. L'État encaissé. On peut retirer et donner à qui? Mais on se réveille, on n'est pas n'importe qui. Alléluia. Amen. Et nous, on a pris le marché. Sur place, un cantique est venu. J'ai loué le Seigneur. Et j'ai dit à mon le responsable, nous allons l'exécuter. Dieu est grand. Tu es bon. On a fini dans le délai. Avant même la date. Et le ministère de l'eau a écrit ministère spécial pour nous. Dieu avec nous. Il faut que nous soyons conscients de la présence de Dieu avec nous. Partout où nous sommes. Il dit qu'il habite en nous. Il est avec nous. Il ne peut pas laisser quelqu'un venir te faire n'importe quoi. Et donc nous avons exécuter ce dossier-là. Un autre jour, on devait aller dans un village avec le premier ministre. Mon mari m'a dit, il faut aller avec le responsable du département. Nous sommes partis et j'ai revu le directeur de cabinet à qui j'avais dit d'aller dire au ministre. Mais je ne l'avais pas reconnu. Ce jour, il avait mis un borsal. Et quand ils ont fini de lancer le projet, c'est un forage. Un grand forage qu'ils ont fait dans le village. Le ministre m'a vu. Et puis je me suis approché pour le saluer. La sécurité. Mais la sécurité est venue pour me dire non. Et le ministre dit non, 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 laissez-la. C'est ma et c'est après ce chef, le DIRCAM vient. Il me dit Madame, je me souviens de ce que vous avez dit dans la salle. Quel le jour là vous avez dit que si ce marché là est à vous, ça m'a touché. Quand on m'a dit de vous appeler pour revenir prendre, j'ai dit c'est Dieu avec moi. Je suis enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas me faire la force. C'est pour vous dire ce matin. Maman, levons-nous. Minichite. Levons-nous. Minichite. Excellent dans l'évangélisation. Bon, nous, mini, nous conduisons. Faisons le travail de Dieu. Mini, wa, ma aussi. Laissez ceux qui sont en train de vous chercher des petits nimim là. Mais dedo, ils peuvent rien. Et ayons confiance en nous. Mini, soyons conscients que Dieu est avec nous. Mini, tout le monde. Ce que nous devons faire, c'est de ne pas ouvrir la porte. Mini, ma roule, nous venons. Comme on nous a dit. Nous voyons deux. Je termine par ça. Nous voyons deux femmes. Dans la Bible, dans Philippiens 4, 2, Philippiens après, c'est deux femmes qui ne s'entendaient pas dans l'église. Paul, le pasteur Paul en prison, pleurait. Le serviteur dit, il faut les aider. Pourtant, c'est des femmes qui intercédaient dans le ministère pour le ministère de Paul. Mais Paul en prison est obligé de pleurer pour ces deux femmes. Dieu nous a mis à côté des serviteurs et des servantes. Il ne doit pas pleurer à cause de nous. Paul en prison. Quelqu'un qui est emprisonné, il pleure à cause de deux sœurs de son assemblée qui ne s'attendent pas. Est-ce que vous comprenez?
Est-ce que nous comprenons? Mère. Non. Future mère. Notre rôle n'est pas de faire pleurer les hommes de Dieu. Si nous ouvrons la porte par les querelles, par les mésententes au ciel, Dieu ne peut pas faire autre chose. Il faut que nous fermons. Comme il a dit ici, c'est ce que nous autorisons qui est sanctionné au ciel par l'autorité divine. Ne regardez pas ce que les gens disent de vous. Ce que les gens, j'ai donné ce témoignage-là pour vous encourager. J'étais confronté à... Regardez, la cour de cassation. Normalement, quand la cour de cassation prend une décision, le président même ne dit rien. Mais ils sont partis casser la décision. On est face à qui? À l'autorité suprême national. Mais nous avons celui qui est au-dessus. Celui qui a placé ces autorités-là. Mais la Bible dit que les autorités sont instituées par Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons prier pour terminer. Attends, j'ai brûlé un peu. Les évangélistes ne parlent pas trop. Pas tant que clair. J'ai dépassé l'heure. Nous avons les évangélistes la parole. C'est Dieu qui nous a fait évangélistes aussi. Amen. Amen. Nous sommes des femmes vertueuses. Le dit Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Nous allons trouver. Les mamans. Non, les papas, les jeunes, les frères, soutenez-nous. Nous allons nous parler. John George Allen, comme c'est la journée des femmes. C'est une question qui est posée. C'est le sage là, Salomon, qui dit ça. Proverbe 31. Les mamans, vous êtes lentes à vous tenir debout. Proverbe 31, verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Alléluia. Elle lui fait du bien et non du mal. Tous les jours de sa vie, elle se procure de la laine et du lait et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit. Et elle donne de la nourriture à sa maison. Amen. Et la tâche à ses servantes. Amen. Elle pense à un champ et elle acquiert. Amen. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle serre de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux. Elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de croix moisie. Elle se fait des couvertures. Elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises. Et les fins. C'est bon. Amen. 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 Nous allons proclamer ça pour nous. C'est ce que Dieu veut de toi et de moi. Nous allons prier. Je suis une femme vertueuse. Nous sommes des femmes vertueuses. J'ai de la valeur bien plus que les perles. Le cœur de mon mari a confiance en moi. Les jeunes filles, vous dites le cœur de votre mari aura confiance en moi. Alléluia. Le cœur de mon mari a confiance en moi. Et les produits ne me font pas défaut. Je lui fais du bien et non du mal. Tous les jours de ma vie, on commence à prier en langue pour que Parole.
Saint-Esprit, c'est ce que nous aspirons. C'est ce à quoi nous aspirons. Nous sommes des mères vertueuses. Nous sommes des femmes vertueuses. Nous sommes des futures mères vertueuses. Des futures mères potentiellement mères vertueuses. Oh, Marie, oh, confiance en nous. Oh, nous faisons du bien tous les jours à nos maris et loin du mal. Oh, merci Saint-Esprit pour cela. Reçois toute la gloire. Reçois la louange. Reçois l'honneur. Parce que je suis une femme vertueuse. Je suis la femme vertueuse. C'est toi qui m'appelles. C'est ce que tu dis de moi. Et je l'accepte. Je l'accepte. Je suis là pour impacter l'église. Je suis là pour faire du bien à l'église. Et non du mal. Faire du bien aux frères. Faire du bien à nos maris. Faire du bien à nos enfants. Je suis là pour impacter le Bénin. Je suis une femme sage. Je suis une femme sage. Je gagne des âmes désormais. Je gagne des âmes désormais. Oh Seigneur, sois bien. Au nom puissant de Jésus. Amen. Il y a une deuxième requête et on a fini. Nous voyons dans Luc 7. Ce que je vais dire de faire là, peut-être les gens ne vont pas comprendre. Il y a quelqu'un qui est venu. Il a entendu parler de Jésus. Je parle de Jésus, du centenier. Parce qu'il a entendu parler de Jésus. Jésus. Les hommes, vous pouvez prier avec nous. Ici, ce sujet-là. Le gars, il a entendu parler de Jésus. Et puis Jésus, son serviteur est malade. Il est parti vers Jésus. Jésus. Il a demandé. Il a envoyé les gens aller demander à Jésus. Son serviteur est malade. Et les gens sont partis exposer le problème. Et puis ils ont dit, Luc 7, là, au verset 5, le verset 4, il dit, ils arrivaient auprès de Jésus et lui adressaient des cent supplications. Il mérite que tu lui accordes ça. Ils ont dit, nous sommes venus te dire, il a dit que son serviteur est malade, en train de nous. Ils ont dit à Jésus, il mérite que tu lui accordes ça. Car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Jésus étant allé avec eux, n'est en guerre éloigné de la maison quand le centenier envoie Dieu. Faut même pas que Jésus vienne. Les gens ont dit il mérite parce qu'il aime notre nation. Dieu aussi nous exauce sur les mérites. Sur tes mérites. Il y a des choses que tu fais pour le royaume. Ce monsieur-là n'est pas juif. Il a construit une synagogue. Les juifs ont dit à Jésus, il mérite parce qu'il aime notre nation. Il a construit notre synagogue. Ézéchias a dit à Dieu, tu veux que je meure? Qui va te louer? Tu veux que je meure? Qui va faire ce que j'ai fait? Ce matin, maman, hey, avec nos entrailles, qu'est-ce qui se trouve dans ta maison? Quelle est ta difficulté? Rappelle à Dieu ce que tu as fait. Rappelle à Dieu ce que tu fais. Tu ne fais pas le mal de son royaume. Tu évangélises. Est-ce que Dieu va te laisser malade? Est-ce que Dieu va te laisser coucher? Qui va aller chercher les âmes pour lui? C'est ton enfant qui est malade. Quelle souffrance tu as? Ici, lui il est venu pour son serviteur. Les Juifs ont dit Jésus, il mérite que tu ailles là-bas. Il aime la nation d'Israël et il a construit notre synagogue. Quel est ton problème? Quel est ton problème? Dis à Jésus, tu vois mes entrailles, tu lis dans mes entrailles, tu as été dans mes entrailles, regarde le fruit de mes entrailles, regarde mon fils qui est dans ça, regarde ma fille qui est dans telle situation. Oh Jésus, je suis ta servante, j'ai fait ça. J'aime le royaume. J'aime ton royaume. J'aime ta maison. J'aime ceci, cela. Toi, tu sais ce que tu as fait. Et il a dit le mérite. Dieu nous exauce aussi. Jésus a exaucé cet homme-là. Parce que les gens ont dit à Jésus, il mérite. Il aime notre
nation. Et il a construit nos synagogues. Ézéchias a dit, c'est moi qui te loue ici. Si je meurs, qui va faire? Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Ouvre ta bouche. Oh Seigneur, ce matin, nous sommes là. Tu es celui qui a connu les entrailles d'une mère. Je te demande de visiter les entrailles des femmes ce matin. Visite nos entrailles. Oh, tu vois les souffrances qui sont enfouies dans les entrailles. Oh, ta miséricorde, ta grâce, que ta lumière jaillisse dans les entrailles et que les ténèbres soient enfouies. Celles qui sont vraiment dans la situation d'attente, Seigneur, visite-les. Tu as visité plusieurs personnes. Visite ces entrailles qui attendent un bébé. Tu as connu des entrailles. Envoie des bébés dans ces entrailles. Visite ces femmes que leur sein connaisse maintenant. Comme tu as été dans les entrailles d'une femme. Oui, l'enfantement, l'attente, qu'elle soit féconde, que ces entrailles-là soient fécondes. Visite-les, Jésus. Visite-les, Seigneur. À ton esprit, visite ces entrailles. Oh Seigneur, agis dans les entrailles des mamans, dans les entrailles de celles qui attendent, de celles qui sont en grossesse. C'est toi qui continues de les visiter pour former ces bébés, pour former ces bébés, pour qu'ils sortent normaux et qu'ils naissent normaux. Comme toi, tu es sorti normal. Oh oui, Seigneur Jésus, par le Saint-Esprit, continue d'agir dans leur vie. Merci Seigneur, parce que tu as agi dans la vie de toutes les femmes. Merci parce que tu les as exaucées. Parce que tu as exaucé ces vaillantes servantes. Parce que tu les as exaucées. Elles ont fait des choses pour ton royaume. Et l'ennemi est venu les décourager. Elles se sont assises. Mais ce matin, Seigneur, que par ton feu, tu les relèves. Par ton esprit, tu les prennes par la main. Et tu les remets sur le chemin. Que toute la gloire te revienne. La louange et l'honneur à toi. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen.